Bless our cards, the LA Revolution. Celui que nous avons prié avant la pénétration occidentale dans nos pays. Et honneur à tous nos martyrs. Alors, rapidement, cette vidéo que je reviens toujours dans le cadre d'évolution des mentalités. Je tiens à dire que j'ai détesté toujours une espèce. Je dis bien, dans le monde, dans notre monde-là, j'ai toujours détesté une espèce. Ce sont les ingrats. Je dis encore que je préfère vivre à côté même d'un hypocrite parce que je me dis que d'un ingrat. Parce que l'ingrat est plus dangereux que l'hypocrite. L'ingrat, je dis bien, est beaucoup... L'hypocrite est dangereux, mais l'ingrat est beaucoup plus dangereux que l'hypocrite. Alors, pourquoi je dis plus dangereux? Quelqu'un, il peut être hypocrite. Mais s'il veut te faire du mal et se rappelle un instant du bien que tu lui avais fait une fois... Sa main sera retenue pour te faire du mal. Mais une personne ingrate qui ne reconnaît jamais le bien qu'on lui a fait un jour, qui ne reconnaît jamais ça, a une facilité de vous faire du mal. A une vraiment facilité de vous faire du mal. Lorsqu'on n'arrive pas à faire parfois du mal à quelqu'un, parfois on se rappelle des bienfaits ou de l'aide que cette personne vous a apporté un jour. Voilà. Il y a des gens, vous leur faites du bien, du bien, du bien, du bien, du bien. Et une fois juste que vous leur faites du mal, une fois juste, il va retenir juste le mal là et vous entendez plus jamais jusqu'aujourd'hui. Il oublie tous les biens que vous lui avez fait dans le passé. C'est ça qu'on appelle l'ingratitude. Et ces gens-là, ils arrivent souvent comme des brebis galeuses, des brebis galeux. Et, pardon, des brebis galeuses, voilà. Et, ou des chiens galeux, et... Lorsqu'ils arrivent à avoir ce dont ils avaient besoin, mon oncle est béni. C'est triste. C'est à vous les ingrats que je parle. C'est à vous ce message-là à qui je m'adresse. La reconnaissance dans la vie, elle est très importante. Quelqu'un te fait du bien, il te fait une fois du mal. Tu reconnais juste le mal là et tu oublies tous les biens. Comme quoi, comme si quelqu'un n'avait même pas de défauts. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer, partager la vidéo pour qu'on change. Et moi, je pense que si nous, les Noirs, on commence à comprendre ça, si on commence à comprendre ces choses-là, je pense que nos relations iront de mieux en mieux. C'était le message du jour. On reste dans la lutte, on reste déterminé. Merci encore. Voilà, changeons de mentalité, changeons. Si même une personne qui te reconnaît là, dans cette vidéo-là, et que tu t'entends plus avec une personne, et c'est même par intermédiaire de quelqu'un de lui dire, ah, un tel, il est toujours là, il vit toujours, il va bien. Tu lui passeras mon bonjour. C'est très important. Changeons les Africains et soyons solidaires. Aimons-nous.